jusqu'à la fin. Et puis aujourd'hui, on est en train de voir, toujours compris quand même l'affaire à Djani. L'affaire là, choisi, mais Tata, il fait là, et pour en continuer, pour Zalara, là. Je vous confirme encore une fois que la Fondation Sozzi Matata, ils ont eu à payer des billets pour monsieur Siatoum et puis madame Maxi qui séjourne actuellement à Kinshasa pour ma dernière match à faire la mort de Johnny Fine. Je là de s'acharner à Johnny, à l'abri ou Johnny, je sais pas. Sache que tu partiras un jour. Quand je reviendrai, mon kénépé, mon ticapé. Je vous dis encore une fois, vive Azadakina Kinshasa. Bon, la bonne Azadakina, putain, Azadakina, mais pas la dernière fois. Allez-y, comprendre. Il y a les enfants qui sont restés là. Il y a les enfants à Kinshasa. Je sais qu'il y a maman Maxi. Salut chers internautes, bienvenue à notre tout premier numéro. Ici sur la chaîne IC News, IC News officiel Newhook. Donc, comme je disais, c'est le tout premier numéro en direct sur vos réseaux, en direct sur vos télévisions. Comme je disais, bienvenue à vous. Moi, c'est votre serviteur désormais sur IC News. C'est votre serviteur Igaram ici, communément appelé HK, pour les gens qui me connaissent comme ça. Aujourd'hui, c'est notre tout premier numéro avec l'émission La Voix du Canada. Je dirais pourquoi La Voix du Canada? On attend que plutôt à tout qui n'est vraiment tout qui est à moi les Donc, on apprend que dans le monde entier, il y a quand même plusieurs voix. Les gens ont vu qu'au Canada aussi, il y a une voix. Mais sur le Canada, il y a une voix, il y a des gens qui ont aussi à dire, il y a des gens qui sont capables de dire aussi des choses, il y a des gens qui sont capables d'argumenter aussi. Voilà pourquoi Toyelimio Lelo, voix du Canada. Désormais, nous avons l'habitude de regarder sur moi, Mingi sur notre nom. Je trouve nouveau concept, la voix du Canada, et puis sur la chaîne IC News, New Look, avec El Shérif Anzimiatemo. Déjà, merci pour les concepts, merci pour l'initiative. Au PSAP, Bananion sur le Canada. Donc, la presse du Canada, base à la plus visible, et puis base quand même là. Place aussi de dire quelques mots sur les actualités qui bougent la toile complexe. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Gianni Fine. Mais avant de continuer, je vais d'abord dire un grand merci à la Fondation Choisi Matata. La Fondation Choisi Matata, il y a quand même, depuis moi, il a ancré, pétangué, il y a beaucoup à dire, mais on va rester sur ça. Merci une fois à la Fondation Choisy Matata qui a pu soutenir les comédiens. J'ai eu quand même un bon retour de la Fondation Choisy Matata. Choisy Matata, le vénérable, merci à toi. Merci d'avoir soutenu les comédiens du début jusqu'à la fin. Et puis aujourd'hui, on est en train de voir, toujours compris quand même l'affaire à Gianni. La Fondation Choisy Matata était là et pourra continuer pour Zalaola. Là, je vous confirme encore une fois que la Fondation Choisy Matata, ils ont eu à payer des billets pour monsieur Siatoum et puis madame Maxi qui séjourne actuellement à Kinshasa pour le dernier match à faire la mort de Gianni Faye. La Fondation Choisy Matata, comme je disais, ils ont eu à soutenir tout ça. Merci à vous, merci d'avoir soutenu les comédiens. Ils seront énormément reconnaissants avec vous. Et puis, merci à tous. Et puis, Madame Maxi, qui sont actuellement à Kinshasa grâce à la Fondation Choisy Matata. Énormément merci à vous. Je disais, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Gianni Faye. On va quand même conclure. Mesdames et messieurs, on a eu quand même deux qui m'ont ébellé. Deux qui m'ont ébellé. Mais aujourd'hui, quand même, je ne dirais pas que j'ai le monopole de conclure, mais aujourd'hui, quand même, on doit conclure sur cette affaire pour passer à autre chose. Et puis, je vais encore rappeler que actuellement, tout ça, sur l'actualité, Moussoussou, et le moins là-bas, comédien, et Koui, Mamili,
Namélie à ma chante gospel. Il y a la sœur, Kunda, Lucy Kunda, je pense que Lucy Kunda, si je ne me trompe pas, il y a la sœur Lucy Kunda qui nous a laissé aussi. Donc, énormément condoléances à toute la famille chrétienne, toute la famille de la musique gospel qui perd actuellement la sœur Lucy Kunda. Mes condoléances à vous. Donc, on va la voir et venir aussi à l'affaire de Jalifa. Donc, je disais qu'on va conclure. Avant de continuer, donc, encore une fois, on va continuer avec le remerciement. On voit que il y a eu aussi les comédiens de Montréal, Bangopé, Baranda qui va au match, Bango, Jalifa. J'ai eu la chance de les accompagner. J'ai eu la chance de les assister. Merci à vous. Je vois le président Herman Kassongo, je vois Diane Kamanga, je vois Bob Smith, Ramzin Zazi, Oncle National, Avo Palanka, et puis El Chéri aussi était présent. Toute la grande équipe, hein, c'était vraiment une très très belle organisation. L'équipe était vraiment complète. Comme vous voyez sur les images, moi j'avais vu une équipe très 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 motivée. Il y a eu des gens qui ont fréquenté Jennifer, il y a eu des gens qui ont travaillé avec Jennifer, et d'autres n'avons pas eu cette occasion de travailler avec Jennifer, mais pour sentir une motivation là, ils avaient quand même cette motivation-là de rendre hommage à Jennifer. Vraiment, il y a quelque chose, il faut vraiment trouver. Parce que malgré que Bazoua qui tempête dans un an, Jennifer était, mais Boulimo, il y a art. Et Sangui Sibango, même de loin. Et puis je rappelle encore une fois, j'ai aussi assisté comment est-ce qu'ils ont fait l'enveloppe et puis envoyé à la famille de Jennifer au niveau de Kinshasa. Enveloppe à 1 000 dollars. Enveloppe à Bango. Et comment qu'il a beaucoup à Omar. Omar, il a même qu'il n'est pas président Ilombé. Si je ne me trompe pas, président Ilombé ou bien président Ilombé, si je ne me trompe pas. Mais je pense que c'était trois personnes présentes, Omari et Lomé, et puis, bon, ça va revenir, excusez-moi. Donc, c'était l'enveloppe de 1 000 dollars. Tout le monde a dit que les Kinaki et les communes à Kinshasa nous ont confirmé que, et comment qu'il y a beaucoup, famille à Janifai, merci à vous, félicitations à vous, pardon, à toute la grande équipe, toute la famille artistique à Wana, Canada. Pour la geste et la bonne foi, pour ça, qui envers votre aîné théâtral, votre aîné d'âge, Janifai. Car il y a des gestes qui sont inoubliables dans la vie, malgré que bah, tout le monde a peut-être 1 000 dollars, mais ça fera quelque chose à une famille. Ça permettra au moins, dans la de Janifai, pendant quelques temps, les temps qui va surmonter. Situation. Je sais que ça ne sera pas facile d'oublier, mais ils vont quand même, ça les permettra quand même de surmonter événements. Donc, comme je disais, donc, Mortis Comédien à Canada, Martina Kimine, merci, félicitations à vous. Et puis, Zambé Nangaï, Nalinga Tepo, Nalinga Soumoukate, Clip, et Lobezaki Dimanche, Léna Kandezaki Eclipse. On dirait moi aussi que quand il m'a belé, non, pas vraiment recevoir ce moment. Mais il y a quand même ma mort au belé. Mais comme je disais, donc, on va vraiment le conquérir. Bon, nous avons quand même vu faire ce sujet. Donc, comme je disais, aujourd'hui, quand même, on va conquérir l'affaire à Jennifer. Okay? J'ai eu la chance quand même de poursuivre ma propos belé. Et puis, j'ai eu la chance de suivre la famille artistique et Janifai au Bazalakina Bangona. Donc là, on est en train de voir comment est-ce que l'enveloppe, je pense que c'est ça, là, c'est sûr, c'est ça. Je pense que la régie me prend ces images, comment est-ce que l'enveloppe des artistes comédiens qui ne tiennent pas à l'année comme Akinakin. Ok, ben c'est ça. Donc je disais, donc c'était les présidents. Le président Ilombé. Le président Ilombé. Donc, c'est lui qui avait reçu l'enveloppe, comme je disais. Donc là, vous voyez les images. Donc, il avait bien reçu l'enveloppe des artistes comédiens.
Donc, comme je disais, donc aujourd'hui, je vais quand même conclure sur cette affaire. Naoki, président de Vosaloui. Okay. Écoutez, sur cette affaire, les gens peuvent spéculer, les gens peuvent dire des choses. Mais Koyoka Makambo, président de Vosaloui, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, on peut laver la brûlée. Okay? Parce que tout ce qu'on attend, tout ce qu'on écoutait, tout ce qu'on appelait de gauche à droite, disons que Gianni Faye a Koufi Ponamukana. Gianni Faye a Koufi n'a souci à Mukana. Mais écoutez, on nous a bien confirmé aujourd'hui que ce n'était plus cette affaire à Mukana. Parce que la brine aujourd'hui, elle était prête. Il y a au Pessa, Nekonabiso, Grand Fanabiso, Gianni Faye, Mukana. Mais aujourd'hui, on comprend que le pauvre Adal Sissouté, il est à se. Mais je vous dis, on a la confirmation que Ezalaki n'a propre graine à Yemoko, né à Boyaki, la brine à Pessa Yemokanda. Écoutez, on doit quand même dire des choses en face. On doit se dire des choses en face. Okay? Il a laissé quand même 11 enfants. Okay? Oui, aujourd'hui, vivre à l'étranger, Balobi, 3, Bazakina, le reste, Nakin. Donc, si on doit comprendre, ce n'était pas seulement souci à Mukanda, mais à éloignement, on a peine à bananer sur la Kinshasa. Donc, il y avait plusieurs situations. Si la brine, elle était déjà prête, et en plus en Mukanda, mais on a encore appris que M. Gianni Faye dira que à l'ingité, parce que ce qu'a Mukanda à la brine est aussi ma thé. Au Bengisa Bengisa sa famille naïe, ou a déclare qu'il n'a pas de dossier naïe, et que ça là, impossible. Maintenant, où est le problème de la prime dans cette affaire? Il y a Mukanda. On a encore appris que, ben ça c'est des informations sûres et certaines, qu'il souffrait d'une maladie. Disons que cette maladie-là, est vrai qu'on facilitait en Mukanda. Où est le problème de la brine dans cette affaire, encore une fois? Parce que, ce qu'a fait Sagi Mukanda, on doit comprendre que pour Babalani, pour Azaki, il va marier. Mais il y a Azaki engagé dans moi, c'était en Afrique. Donc, ce qu'a dit Sagi Mukanda à l'abri, donc moi c'est Afrique, moi c'est Kinshasa, Bosana. Bana Koba, qui m'a dit na Koro, Bosana. Viens à la autonome. Gaza tout simplement autonome. Mais si on doit maintenant voir les côtés de la brine, parlant de l'infidélité, comme les gens ne cessent pas de dire, écoutez, oui, infidélité à moi aussi, et ben Nara, ma majesté, ou Yazo et Seva par mon baliré. Comment est-ce que ce couple vivait? Comment est-ce que le vieux Gianni vivait avec la brine? On ne savait pas. Est-ce que c'est le vieux Gianni qui avait permis l'infidélité? On ne sait pas. Ok, on prend juste que la femme était infidèle. Aujourd'hui, ce que tu vas dire sur l'autonomie, la brine n'a pas preuve palpable, disant que si, c'est parce que peut-être Mbani a appelé sa autorisation pour le banni. Donc, l'affaire de l'infidélité. Vous et moi, on n'a pas le pouvoir de trancher dessus. Parce qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas comment est-ce que leur couple fonctionnait. Oui, on peut dire, on peut spéculer jour et nuit, mais on ne sait pas comment est-ce que leur couple fonctionne. On doit quand même passer au travers et puis passer à autre chose. Parce que si vraiment. Donc, Moussika, on comprendra qu'il y avait plusieurs facteurs et mon minéral, le bisou de Jani, Naliwa. Et puis,
dans ma communauté d'union sont arrêtés juste de commencer à blanchir une personne dans leur conflit. Et dès là, ma communauté d'union va tout m'arriver, tout seul. Parce que les éclipses, la carrière des éclipses. Les éclipses, c'est ça, la distribution d'éclipses, c'est ça. Facteur chance, je vais changer, il faut tout changer dans ma mauvaise habitude, tout changer en fait. C'est juste pour rigoler. Mais car cela les tienne, donc, comme je disais, donc il y a plusieurs facteurs qui entourent ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, on doit quand même apprendre. Il y a cause à la caractère pour blanchir mon tout. Qui va t'en profiter. Pendant qu'il te eu ma bémorobouée. Là, on a appris que la brune était prête. Et en plus, ça m'a calmé. Mais j'en ai failli mourir depuis 2011. Soi-disant, malade à la souffrir. Dans ma négociation, par l'objet. Malade, Johanna, ma paix, c'est la honte de mon calme. Mais pourquoi les pauvres, alors ça me canaté? On apprend encore que à changer la bakomo. Écoutez, arrêtons juste de tirer les draps d'un seul côté. Okay? Les lots, oui, Esa regrette de perdre un artiste Mounet, l'artiste comme ça Mounet. Mais on doit aussi apprendre à se dire des vérités en face. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui allez continuer à souffrir, c'est la famille de Jennifer, c'est la famille, c'est ses enfants qui vont continuer à souffrir, c'est ses enfants qui resteront là, en train de penser à leur père. Tous les gens qui sont en train de spéculer à la télé, tous les gens qui sont en train de raconter des gens particuliers à la télé jour et nuit, ne seront pas là, ne seront pas là avec la famille de Jennifer. Aujourd'hui, la famille de Jennifer, ils vont continuer à vivre avec cette souffrance. Même si tout a raté. Voilà, comme je disais, donc aujourd'hui, c'était vraiment l'éclipse au Canada. Donc, merci beaucoup, la régie, pour ces belles images. Là, on voit même jusqu'à trop d'eau. Merci beaucoup, la régie. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on doit quand même laisser cette famille vivre en paix. Mankamouya, Bakuta Katei. Aujourd'hui, M. Jennifer, avant qu'on fasse, à Sibiswazaralal, à Tozoroyogé à l'abri, aujourd'hui, il y avait une autre veuve à qui. Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte aux ovivana moutonanga? Netiba ou bako nané l'abri. Ok. Yozam balonanga, mais mon balinayo, déjà, il y a eu clair qui est. Alors, la moi, sinaï, la Congo. Tout qui est dans le contexte, tout va au tout en condamné là-bas. Au bas du noyau, à l'objet qui a vraiment moins sinaï, n'a qu'au mot. Et puis, il y a divorce éthique à la cause à la prononcer. Est-ce qu'on va continuer à condamner cette dame, cette pauvre dame qui est restée? Écoutez, je ne prends pas sa part, mais c'est juste qu'on doit, on doit affronter, on doit se dire la vérité. Après la paix, on ne doit pas continuer à calendrier tout tika qu'on continue qu'on blanchir batou kakasu qui basa invité. Écoutez, les gens au Brésil qui chance à cause d'un avis de Jennifer devraient dire des vérités aux vieux. Qu'une non vieux, faut pas faire ça. Bouité, on apprend que Azonara, c'était pas pour l'amour, c'était pour son fils, qu'il avait un enfant, il a un enfant qui, il a laissé un enfant qui est autiste. J'ai les enfants autistes, je me rappelle, c'est les enfants qui aiment trop l'affection. L'affection du décoté, l'affection paternelle et maternelle. Ils sont comme les enfants autistes. L'enfant a réclamé son père. Je sais pas si la régie, par contre, vous aura image, Johanna, côté la brune à Kosinga na mort à mon Adjani Asuka. Vous allez voir, il y a un enfant et un petit garçon qui semblent rien comprendre. Vous allez voir les gestes, vous allez comprendre que
Il y avait d'autres facteurs, oui, pour ça qu'il vit à Zora, chez Avril. Mais aujourd'hui, il n'est plus, on ne peut plus continuer à tourner dessus. Chers fanatiques, chers amoureux du théâtre, chers fanatiques, je dirais tout simplement. Tout ce qu'il y a pour blanchir, ben, du coup, ça va comédien, dans le mieux. Bazabatou, ils ont les hauts et les bas, ils ont aussi leurs défauts. Parce que peut-être, si notre vieille Janifaï était encore en vie aujourd'hui, pouvait aussi nous dire autrement, pouvait aussi nous dire d'autres choses. Mais comme je disais, donc, leur relation et ils ont été basés sur quoi? C'est là où on doit se poser la question. Ah, Elmira, oh, El Chéri, pardon, El Chéri, Rémi, tous ces posés en question. L'air est acheté bas de sur quoi? Gianni, alors moi aussi, Nakongo. Comprends? Oyo, moi, Sovanaranae, Yepé, Ayébi. Les autres comprennent. Ce qu'on y au moins sur lui commence à comprendre. Papa, banéola, Yepé, Akobate. Ou soit, après avoir eu les enfants, c'était une relation sexuelle, je dirais. Ça vivait juste pour le sexe, il n'y avait plus l'amour. Qui le sait? Personne ne le sait. Est-ce que l'entourage de M. Djané, est-ce que ces gens-là, M. Djané leur disait la vérité? Non. Arrêtons ces polémiques, s'il vous plaît. Passons à la vraie vie. Affrontons la réalité de la vie. Aujourd'hui, le frère Janifa, il n'est plus, mais il y a une vie qui continue. Il a laissé les enfants, il a laissé ce qui m'avait vu bêler. Okay. On doit maintenant réfléchir. Comment est-ce qu'on peut soutenir ces enfants-là? Est-ce que vous allez arrêter de soutenir les enfants de Gianni? Parce que, Bazabana Labrine, je ne pense pas. Parce que j'ai vu sur la vidéo, comment est-ce que nous avons Bana, bon, il a papa là-bas. Mais jusqu'à présent, c'est encore des mineurs. Ils doivent continuer à vivre avec leur mère. Est-ce que vous allez arrêter de soutenir ces enfants-là? Voilà, c'est les garçons. Vous voyez, les garçons, ils avaient l'air de rien comprendre. Rien comprendre. Il y a sa mère qui s'est laissée en pleine crise, mais l'enfant ne comprenait rien du tout. Mais voilà, aujourd'hui. Comme je disais, c'est l'enfant, il est autiste. Je disais, les enfants autistes, c'est des enfants qui aiment trop l'affection paternelle et puis maternelle. Ils aiment trop l'affection. Ils aiment trop être cajolés. Ils sont comme ces enfants. Ce n'est pas une maladie. Non, non, non. C'est juste que le symptôme, cet enfant avait besoin de voir son père. Voilà pourquoi. Merci la régie pour les images. Donc, comme je disais, est-ce que nous allons arrêter de soutenir les enfants de Jennifer? Parce que ce sont les enfants de la rue? Je ne pense pas. Parce que tout le monde a dit, nous sur comment est-ce que les enfants étaient devant des grandes filles. Bah, qui vous s'acquittent à M. Gianni, comment est-ce ils ont transmis cette émotion? Comment est-ce qu'ils ont pleuré leur père? On a vu ça. Est-ce que les gens, vous qui parlez tout le jour, vous condamnez la pauvre, vous continuez, est-ce que tout le monde a bien pu continuer à soutenir les enfants de M. Djani? Vous tâtez parce que Bazabara l'abri. Voyez maintenant les enfants qui est Banabatikali. Il faut continuer à couiner maman. Encore une fois, je dirais un grand merci à toute l'équipe de Kinshasa, Batou Nuance, Obazo qui organisation et à l'obsèque à M. Janine à Kinshasa. Là, je vois présent Yombe et toute l'équipe. C'est vraiment une équipe très, 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 très active, très, très mobilisée. Enfin, on a quand même meilleur assisté à la moins transparence mourboué, surtout dans Mambo, ouais. Malgré moi, 10 000 mourboués, Péké, Manengi, Moko, boué. Problème pesant.
Mais quand même, tout le monde m'a transmis ce mot qui quand même, m'a transparence en mosaïque. J'ai aimé ce côté-là. C'est quand même, on dit, quand même, sur 600 dollars, sur ma série de vidéos, sur 100 dollars, il y a une miniature. Les gens commencent à comprendre ça. Les gens commencent à être quand même éduqués. Okay. Détournement. Malgré 10 000 balles, mon combo est payé et zap. Et qui n'a qui paye, mais et comment qui paye? Wana, la marie, les deux clips soleil, bima qui gagne sous la minute. La minute, c'est la minga. Donc, c'est ça, encore une fois. Merci beaucoup à la Fondation Choisis Matata, à toute l'équipe pour le soutien Choisis Matata. Comme je disais, il a eu à soutenir les comédiens du début jusqu'à la fin. Parce que la Fondation avait juste reçu un coup de fil et puis ils ont réagi. La Fondation avait juste reçu une demande simple. Après, ils ont réagi. Après, on a vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Comme je disais, donc la Fondation, il y a moi, là, lobby n'a confirmé Bino. Fondation Choisis Matata. A Futelaki, Mister Siatoul, billet, il y a aller-retour, il y a Kenekoro, et dans le zone, et sa fondation. Bah, Futeli, Maxi, Maman Maxi, billet, yépé, aller-retour, la compte sa fondation. Bah, comme il y a Kinshasa, Fondation Choisis Matata. A foutu, bon, séjour, place Bazolal. Et ça, la groupe, la compte, la Fondation Choisis Matata. Ou en les a la dignité. Bospe qui l'est pété. Ou en les a la dignité. Ou en les a propre gré, mais il y a Fondation Choisis Matata. Mais, ah, elle chérie, Oebi, je me suis soupé. Photos ont la main 10 000 euros. Oui, partage ça la main, qu'est-ce que parfois elle est équitable. Ça ne sait pas, c'est juste pour rigoler. Donc, merci beaucoup à la Fondation Choisis Matata pour l'accompagnement. Donc, je disais, aujourd'hui, la femme est restée, mais c'est déjà laissé les enfants. Est-ce que les comédiens, vous qui parlez sur la toile, vous qui continuez tout le temps à acculer la femme, la brune, est-ce que Botika, pour soutenir Banayalabri, Banajani, parce qu'à Botanalabri, posez-vous la question. Est-ce que il faut passer à autre chose? Parce que vraiment, vous voulez m'abattre. Vous voulez éviter. Je disais, je l'ai bien dit au début, aujourd'hui, nous avons toutes les précisions que ce Messie Janifaï, la propre volonté naïe, mon co, n'est aboué à mon camé à l'abri. Donc, aujourd'hui, le débat est clos en disant qu'il a pris la boue à baisser mon camé. Le débat doit être clos à partir d'aujourd'hui. On doit clore ce débat. Aujourd'hui, le débat doit être clos. Disant que la brune Azara qui va traiter Djani, on doit clore ce débat parce qu'on a tous vu veuve Azara qui n'a qu'une chassa. Moi, ça, j'ai Azara qui n'a qu'une chassa. Seulement, moi, ça, j'ai Azara qui n'a qu'une chassa. La brune Azara qui n'a qu'une. Bon, on va trop sans pour autant comprendre les choses. Vous parlez trop sans pour autant analyser. Vous parlez trop. Sans pour autant voir les deux côtés. Merci beaucoup à l'équipe technique. Donc là, c'est toute l'équipe du Canada. Quand même, ça, ils vont va bien. Je vois qu'ils étaient là. Là, je vois ce président Cali, je pense. Merci de la technique. Donc là, je vois, c'est Ali, je pense. Ali, un groupe évangéliste, c'est lui, je pense, c'est lui.
Et puis l'autre, je vois Jenna Kamona, et puis je vois Aaron Casso. Donc, ça, là, je vois Bob Smith. Là, c'est tous les artistes comédiens qui évoluent au Canada. Je vous informe qu'au Canada, aussi, il y a quand même des artistes comédiens qui sont là, qui évoluent très, très bien aussi. Donc, je disais, donc, toujours qu'il est quand même malin, malin, sous Kaya. Donc, malin, malin, mais toujours. Donc, je disais, je vais vraiment conclure en disant que continuons à soutenir la famille. Ne baissons pas le bras. Ne baissons pas les bras. Et faisons plus la part des choses. Aujourd'hui, voyons tout simplement que notre frère Jennifer avait failli quelque part. Et il est tombé. Toujours la leçon. Okay. Ne voyons pas juste un seul côté. Voyons les deux côtés. Je vous dis encore une fois, vivre à Zarakina Kinshasa. Bon, la boule à Zarakina, tout à Zarakina n'est pas la dernière fois. Allez-y comprendre. Il y a des enfants qui sont restés là. Il y a des enfants à Kinshasa. Je sais que maman Maxi, je vais m'adresser vraiment à toi. Madame Maxi, avec tout le respect que je vous donne, Madame Maxi. Oh, les litros. Les litros. On a compris que c'était ton frère. Tu l'avais beaucoup apprécié. On a compris. Madame Maxi, je vous dis encore une fois que Monsieur Jennifer n'est plus en vie. Là maintenant, banane. Pour maintenant voir ces côtés-là. Mettons nos égos de côté. Mettons tout ce qu'on a appris de côté. Parce que jusque-là, tout aura le temps manquant. Toujours qu'en version vient de Janibété. Toujours aura version la brune. Tout peut-être que version vient de Janibété, peut-être un peu. Tout le monde ah, maman, vous allez me compliquer. Regardons maintenant. Comment est-ce que on peut continuer à soutenir ces enfants? Oui, tout ibiké n'a pas tout social quand même, les alliés. Je pense que dans l'Europe sociale, là-bas, les Arabes, si je ne me trompe pas. Mais si quelqu'un a une idée, il peut m'écrire. Je pense que dans l'Europe sociale, là-bas, les Arabes, si je ne me trompe pas. Au bas en Europe, quand même, qu'on continue à bénéficier quand même là. Moi, c'est franchement que gouvernemental, ça existe. Je pense que ça existe. Mais au bas, ce serait là qu'on. Fondation Choisir ma tata a foutu bien l'air et tout. Mister Siatoul, Mister DeVos, Madame Maxi, Igor 2 minutes. Et l'autre qui est parti qu'on voit encore, Anse Louzolo, qui est encore, Mike La Duchesse. En fait, toute la délégation et Europe au Bac et l'Afrique, vous allez rentrer. Vous avez expérimenté, vous avez vu la réalité des enfants des gens qui sont au Congo en face. C'est le temps de commencer maintenant à agir. Avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce que vous avez dit. Bon, mon inégé, balabas au vivre. Bon, mon condition là-bas, mon pays. Je ne pense pas que c'est aussi meilleur que ça. Je ne pense pas. C'est des conditions quand même que basse au mérité paix. Vous avez beau dire, vous gagnez à la réseau social, vous avez beaucoup parlé, vous avez dit que non, nous sommes à papa, Bissot, et à Gianni. Vous avez payé des billets, vous avez. Merci, pas là. Tout ça calcule mort. Chérie, vous voulez ça, non, ça calcule mort. Elle est embêtée. Ne me tenez pas à rigueur, s'il vous plaît. Il y a eu, je crois, il y a eu 7 artistes, je ne me trompe pas. Il y a eu Mike La Duchesse, Igor 2 minutes, Mister Siatou, Président DeVos, Anse Louzolo. Donc, je prends une équipe de 9 personnes. OK? Si tout ça, la calculement, simple. Oui, je sais que les gens, quand même, ah non, ils étaient obligés d'être là.
Mais ce qui serait les 9 personnes qui vont là pour jouer ça calcule bien. Cela faudrait qu'il billet manquant, billet Air France, aller-retour. Je pense que ça va 4 000, hein? 4 000 ou 3 000, quelque part, voilà. Mais toi, on a 3 000 pour tout le temps qui nous signataire. Bah, qui est 9 personnes. OK. Tout ça, les 9, 3 000 fois 9. Tout ça, quelqu'un m'en simple, s'il vous plaît. 3 000 fois 9. Ah, bah, 3 000 fois 9, 0. Oh. Ah, ça, non, mais ça, il a fait des 18 000 dollars, je pense. Hein? Il a fait des 18 000 dollars, je pense. Les 18 000 dollars. Non, pas 18 000 dollars. Bon, 28 000 dollars, oui, 28 000 dollars. 27 000 dollars. 27 000 dollars. 3 000 fois 9, c'est 27 000 dollars. Excusez-moi, excusez-moi. Non, on casse la maths. Salut, 27 000 balles, 27 000 dollars. Papa, Néroma la duchesse. Ou tout, qui est délégation, nous sommes sur Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada, des personnes. Des personnes, Jésus vient. Ministère Siatou, Maman Maxi, Bazouaki, Babi Ophélie. Le reste. Une affaire de 25 000 dollars. Si on avait quand même tout ça quand on a compté à Ban au Bazar Congo, à la place de distribuer le billet qu'on voit, qu'on n'arrête pas de voir tous les jours, des billets à ben, 500 dollars, tout ça, là. Et puis 10 000 dollars, et on a vu qu'on a 10 000 dollars, et bêtises ça va monter. Et je disais, si on avait quand même fait tout ça, ben là, voilà, à la place d'aller faire la belle vie, je dirais, peut-être au Congo, ben tout c'est la délégation Maroboué. Le reste en Congo, c'est l'enveloppe Maroboué, c'est-à-dire à Tabana, Congo. Je pense que l'année scolaire est encore en cours, je pense. Cet argent pouvait soutenir l'année, cette année scolaire et puis l'autre année, et puis il y a, je pense qu'il y a d'autres qui sont déjà à l'université. Mais on voit comment est-ce que tout le monde se livre un spectacle. S'il vous plaît. Passons maintenant à autre chose. S'il vous plaît. Les gens vont continuer à parler, les gens vont continuer à dire des choses. Mais c'est la famille de Jennifer qui a perdu un enfant. C'est la famille artistique qui a perdu un baobab. Les autres, arrêtez de spéculer. Pensons maintenant comment est-ce que la famille Janifay va continuer à vivre après Janifay. Je disais, au bas en Europe, peuvent bénéficier quand même de la subvention gouvernementale, mais au bas en Congo. Cabriba 500 dollars, tout ça. Oui, c'est bien. Est-ce que 500 dollars, et ça a 10 ans, et ça a 1 an? Non. Manifestez-vous fréquemment. La famille à Jennifer. Je m'adresse surtout ceux qui ont la possibilité de Madame Maxi. Ce que vous avez la possibilité de. Vous allez au moins mobiliser des actrices. Hein? Il y a un fond pour la banane. C'est-à-dire, ayez cette volonté d'appeler les artistes comédiens. Je ne pense pas qu'ils me tambourient. Pour un spectacle, le monde, je ne pense pas qu'ils me tambourient. Qu'au soutenir, il y a une faille, oh, 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 il
Vous allez avoir mon billet Zatrix, Capon, Mer, ou Bengibango. Ngami, et le fin du mois. Tout ça m'a dit 0, 0, 0, 0. Soubasuki, 60, ou bien 80, combien de la poutou. M'a dit 0, 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
officiel New Look. C'est ça, le nom de la chaîne. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Nous ne serons pas là pour diviser. Nous serons là pour être au milieu du village. Comme je disais, c'est notre premier numéro. Mais je n'aimerais pas que les gens comprennent aussi mal. On ne prend pas la part de quelqu'un. Mais sauf que Barbara, Mokonzi, Ayara, Niamatoimarote, Ayara, Niamatoimibale. Là, nous avons juste une seule version. L'autre version est partie. Que devons-nous faire pour, c'est tout, pour soutenir les gens, ceux qui sont restés? Que devons-nous faire? Demandez-vous réfléchir, voilà. Demandez-vous réfléchir, voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe, voilà, comme je disais, à présent, à Yilombé et puis les autres. Vous avez fait quand même un bon boulot. Merci beaucoup à vous. Mais dites-vous, Gianni est parti. Après Gianni, sa famille restera comment? Ses affaires resteront comment? Est-ce que faut continuer avec les émissions, faut continuer à condamner X ou Y? Je ne pense pas. Maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de commencer à réfléchir. À réfléchir comment les enfants de Gianni vont vivre. Président Elombe, président Massoumou des Blindes, ce sont les anciens. Ce niveau certainement structure mourir, comme des nuances en relief. Et puis, ah, madame. Présent en somme, le sol s'est déchiré mon boulot. Boulot biboulot. Comme des nuances en relief à la TV. Pour n'avoir pas de problème. Au suspens, il y a une organisation à l'abîme aux arbres. Et peut-être que c'est une discipline à la terre. Parce que ce qu'on commence, ce qu'on apprend à la télé maintenant, il y a même des insanités. Faut savoir que ça ne touche pas les femmes. Ça touche aussi à votre personnalité. Ça, vous avez des familles, vous avez des pères, des enfants. Ça touche aussi vos familles. Il faut réfléchir à ça. Toi qui es en train de s'acharner à Janine, à la Brine ou Janine, entre les deux, je ne sais pas. Sache que tu partiras un jour. Ton jour viendra. Mon kénépé. Au tikapé. Mouto Bounéla. Au Bounéla Bouzoba. Mais tout là, c'est gros. Non, non, c'est pas ça la meilleure production. Donc, comme je disais, donc, toutes les. L'équipe artistique de comédien, essayez de réfléchir sur ça. Arrêtez de ce qu'il est arrêté. Vous passez la phase, ça serait mieux. Ça serait mieux. Les enfants sont restés. Il y a une famille qui est restée. Comment est-ce que cette famille doit continuer à vivre? C'est là où M. Massoumou Déblindé, M. Elombé, vous qui êtes aujourd'hui des responsables, des artistes, comédiens. Ce qui est beaucoup créateur, loi, mon rebouillé, la loupe, il y a ta joue, mon rebouillé. Ou alors, la soumme, quand vous regardez sur la chaîne de TV, par la comédienne, ou le monde de la structure. Ça fera quelque chose. Malobara, celui qui aime bien, châtie bien. Ça ne sera pas pour faire mal. Mais ça sera juste pour donner du leçon aux autres. Pour ne pas déborder des bornes. Merci beaucoup à toute l'équipe de IC News qui était là présent avec moi du début jusqu'à la fin. Et puis je dirais un grand merci au vénérable Chozi Matata et puis la fondation Chozi Matata. Oyo, Bazala Kinabiso, puis Bagozala Anabiso. Du début jusqu'à la fin, pardon. Et puis, je dirais encore un grand merci au restaurant Fimo, qui a donné l'espace aux artistes comédiens au Canada.
Ils étaient avec, pour pleurer, l'artiste Janifa, Herman Lucasson, Yébara Kiboukoum, Makuna et Bémé. Bien plus ça, j'en ai jamais. Donc, vite que tu sois couffa, pour mieux nous ça va dans la terre. Faut continuer à soutenir les autres pour les gens, ça fait quelque chose de bien. Même pas seulement la matin, mais vraiment les absolus, vraiment super, ma fête, tout ça, tout ce qui est positif aussi dans la vie. Continuer à soutenir les artistes, comédiens, ça fera du bien. Donc, pour aujourd'hui, je pense que j'ai quand même débordé de quelques minutes. Donc, je vais vous laisser aujourd'hui. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je laisse là pour aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau numéro. Comme je disais, donc, il y a aussi l'équipe de Gospel qui a perdu la sœur. La sœur Lissi Kunda, ou fille, les lobes, je pense, lobby, bah, non, peut-être sur les parents, bonjour, là-bas. Je disais donc, Oued Kibissou, ma sœur Lissi Kunda. Donc aujourd'hui, donc, la famille Gospel est aussi en deuil. Je pense qu'ils ont soutenu les artistes comme les uns. Soutenu aussi l'artiste Gospel. Je pense que Lissi Kunda, elle a quand même un bon répertoire musical. Je pense que tout le monde a bossé ici, je pense pas. Alors, ce soir, elle a la voix bien, mais là, c'est moi la capille. Elle a la voix bien. Donc, je vous prends congé pour aujourd'hui. Donc, je me rappelle de vous abonner massivement sur notre chaîne ICI News officielle avec El Chéri, France Miel, mon merci à toi. Donc, je dis un grand merci à tous les gens qui vont s'abonner. Aujourd'hui, c'est juste la Fondation Choisy Matata qui est au premier plan. Merci à la Fondation Choisy Matata. Merci au Vénérable Choisy Matata pour l'initiative. Merci à toute l'initiative. Merci à France Emilia Temo. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Au revoir, s'abonner à partir de l'île. Dans ICNews Télévision, sur votre émission, La Voix du Canada. Je vous dis, au Canada aussi, il y a des voix. Il y a des gens qui sont capables de parler, il y a des gens qui sont capables d'argumenter. Quant à moi, je vous prends congé. Moi, c'est votre accueil, c'est votre humble serviteur, c'est que je suis. Il est ramassé. Je m'appelle HK Guerre. Donc, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro, un nouveau thème, avec, sûrement, peut-être avec un nouveau décor. Merci, je vous dis. Ciao, bye. C'est pas la TV et y en a ma cambou ya sika li zouzou. Oh, ma chaîne ya France, et zana kati. Ma chaîne ya Congo, et zana kati. Ma chaîne ya Londres, et zana kati. Oh, nous mouna ma cambou ya politique ya sika. Oh, parti AA, et zana kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO, et zana kati. Ya c'est pas la TV. Bouquet comme ya mouke boy. Ou tina poche voyage dans mouke no partout lingi. Na bouquet no ya c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisonne, on a 4K. Machine, ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Seigneur,